Land, summer, the rains together. Soyez heureux dans la vie, soyez vraiment heureux, c'est le plus important, être heureux. Stéphanie, tu viens me sucer? Il serait temps là maintenant, ça fait 5 minutes que je t'attends. Saloperie là. Oh, plus fort, plus fort. Va jusqu'au fond Stéphanie, n'aie pas peur. J'ai bien qu'elle fait Ah, ça fait mal là par contre. Stéphanie! Tu râles Stéphanie. Mais ouais, mais vous sucez correctement, si tu mets tes dents. Qui met ses dents pendant un suçage? Personne. Putain, va faire tes devoirs maintenant, allez. Va faire tes devoirs. Télé-réalité, Secret Story, Barbara se montre nue. Stéphanie, je vais me mettre à la télé-réalité, moi. Tu sais, apparemment, c'est un domaine où on se met beaucoup à poil. C'est ça. Fais la valise, je démarre. C'est pour Paris. Paris, la ville. Alors, Lucas a couché avec... Bah, dis donc, ça n'arrête pas de coucher en plus dans la télé-réalité. Stéphanie, tu sais quoi? Prends ton mail et inscris-moi en télé-réalité. Je vais me mettre à... je ne sais pas, Les Anges ou Secret Story ou Nagui, un truc comme ça. Inscris-moi sur Nagui. N'oubliez pas les putes. Stéphanie, je me pose une question. Ta mère, elle travaille beaucoup le soir, il me semble. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Ménagère. Le soir. C'est pas plutôt une pute? Sans vouloir être vulgaire, hein. Non, parce que chez vous, dans la famille, vous aimez bien, enfin, tout ce qui est bite. Hein? Tu connais ça, hein? Salope. Quoi? François? François? François, réponds-moi, merde! T'es quatre fois que je t'appelle, réponds-moi! Tu es où? Où est-ce que tu es? Oui, Monique, où est-ce qu'il est, François? François, mon frère, où est-ce qu'il est? Il est mort! Mais réveille-le et dis-lui de venir, c'est pas une excuse! Qu'il soit mort, nom de Dieu! Tout un truc à voir, celui-là! Monique, laisse-moi parler, s'il te plaît! Merde! Tu prends une pelle, tu vas sur sa tombe, tu le déterres et tu me l'amènes! J'ai deux droits de trucs à lui dire, la paix était très sympa ces derniers temps! Je m'en branle qu'il soit mort, Monique, je m'en branle! Tu le ramènes! Comment ça, t'as oublié la pelle? T'as pas oublié ta tête par hasard à la maison? Monique, je te rappelle d'aller sur sa tombe pour le déterrer! Donc tu prends une pelle! T'as pas le déterrer avec ta chatte, non? Non, t'es Dieu, t'es chiant! Retourne à la maison, prends la pelle, et tu revas sur sa tombe et tu me rappelles, ok? Putain, quelle casse-couille. Déjà qu'elle ressemble à un tronc d'arbre, en plus elle est conne. T'es sur sa tombe? Voilà, c'est bien. Maintenant, comment ça, qu'est-ce que tu fais? Mais déterre-le! Enfin, Monique, c'est pas possible! Il fait marquer quoi sur la tombe? R.I.P. Oui, c'est bien marqué R.I.P. Mais son nom, son prénom, il fait marquer quoi? François Strassens? Il fait marquer bien François Strassens. Mais c'est bien lui en plus. Est-ce qu'il est parti? Toujours à faire des siens, celui-là, nom de Dieu! Tout en partir n'importe où! Attends, je téléphone à la police, j'arrive. Oui, allô, la police? Je voudrais déclarer un vol de mort. Comment ça? Harry Potter? Non, non, pas vol de mort, un vol de mort dans une tombe. On a volé mon mort. C'est-à-dire que en fait, mon cousin, François, il me doit 85 euros. Et j'ai voulu le déterrer pour qu'il me les rende, mais apparemment, ma tante, Françoise, ne le trouve pas. Il n'est pas là. Ce que j'aimerais, c'est que vous, monsieur, qui allez être lieutenant, comment? Couillon? Donc, ce que j'aimerais, c'est-à-dire que, monsieur Couillon, que vous alliez sur excusez-moi, ça ne se fait pas, vous êtes quand même de l'autorité. Allez directement sur les lieux, monsieur Couillon, et que... Enfin, lieutenant Couillon, pardon. Mais vous restez un couillon quand même. Et vous allez et vous vérifiez que le mort n'est plus là. Excusez-moi, je vous ai dit Françoise, mais elle s'appelle Monique. Hein. Et elle est sur les lieux. Vous allez voir, vous pourrez facilement la reconnaître. Il manque deux jambes et deux bras. Voilà, c'est ça. Donc rappelez-moi quand vous êtes sur les lieux. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous, monsieur Couillon. Vous êtes arrivé? Oui, j'ai retiré mon bonnet, oui. Vous êtes arrivé? Oui. Comment ça, le corps est là, mais Monique n'est plus là? Oh putain, c'est impossible. Mais si le corps est là, passez-moi le mort un petit peu, passez-moi le mort. Allô? 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 Allô, François? Je sais bien que t'es mort, mais réponds-moi s'il te plaît. Dis-le 3, 2, 4, dire. François! Monsieur Couillon, reprenez le téléphone, monsieur Couillon. Dites, vous faites quoi ce soir? Non, parce qu'en fait, j'organise une soirée boule de billard, et si vous voulez venir avec vos boules, ben, vous êtes la bienvenue. Vous voulez venir? Voilà, c'est 4 rue Jean Cocteau. Amenez votre boule et votre queue, évidemment, pour le billard. Et venez comme vous êtes, comme le McDonald's. C'est ça. C'est ça, monsieur Coudiette. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Moi, j'ai pas envie de parler, moi. Pardon, excusez-moi, mais un petit truc en plus. Si vous pouvez ramener une bouteille de vin bio, ça m'arrangerait. Je mange bio et vegan, je mange pas de sel. Bien, oui, non, y a pas de dress code. Non, pas du tout. Votre femme peut venir toute nue, évidemment. Hein. Combien est-ce qu'elle fait? Non, pas son score en Angry Birds. Combien est-ce qu'elle fait de poitrine et du cul? Son gros cul, ouais. Son cul est massif et bulbeux. Mais apportez-la, bien évidemment. Si elle a des sœurs, des copines, des chiens, tout ce que vous voulez, amenez-les. C'est open bar. Je vais juste regarder si... Merde! Attendez, je vais juste regarder s'il me reste un... Oh putain! Oh merde! Je vais juste regarder s'il y a encore un peu d'alcool. Attendez, quittez pas.
putain, mais ça tient pas ou quoi? Écoutez, je vais vous rappeler de mon flic parce que je pense que mon téléphone est un peu cassé sur les bords. Je vais le réparer, je ne sais pas où, je ne sais pas où je vais le réparer, mais il faut que je le répare, merci beaucoup. T'as jeté putain mon téléphone. Comment réparer son téléphone en 10 secondes? Et puis 6 mois même pas, comment réparer son téléphone en 13 secondes? Non, pas 13 secondes, je veux 10 secondes. J'ai pas le temps, mon vieux, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça.